عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد. Durant le cours passé, nous avons étudié l'histoire de notre père Adam alayhi salam, le premier prophète. Et aujourd'hui, بإذنillah subhanahu wa ta'ala, nous allons étudier l'histoire de Nuh alayhi salam. Wa Abu al-Bashar al-Thani, الناس بعده من ذريته. Nuh alayhi salam a pour particularité d'être le deuxième père de l'humanité, car l'ensemble des hommes et des femmes après lui sont de sa descendance. قَالَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Nuh alayhi salam a été cité dans de nombreux endroits du Coran. Il a été cité 42 fois dans plusieurs sourates. وهو أول رسول إلى أهل الأرض كما ثبت ذلك في حديث الشفاعة فيأتون الناس يأتون آدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر لهم ويقول لهم اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض. نوح عليه السلام est le premier messager qui a été envoyé aux gens de la terre. Comme cela a été cité dans le hadith de l'intercession, lorsque les gens seront sur la place du jugement dernier, dans une grande difficulté, ils iront voir Adam alayhi salam et lui demanderont d'intercéder pour eux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui-ci s'excusera et leur dira: allez voir Nuh, le premier messager aux gens de la terre. De ce hadith, on tire que Nuh alayhi salam est le premier messager envoyé aux gens de la terre. Il a également pour particularité de faire partie des cinq meilleurs prophètes qu'on appelle Ulul Azmi Minar Rusul, les messagers qui étaient le plus doués de fermeté. Et c'est le premier d'entre eux, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'histoire de Nuh dans plusieurs sourates du Coran, dans sourate Al-A'raf, dans sourate Yunus, dans sourate Hud, elle a été détaillée. On a parlé également de lui dans sourate Saffat, dans Shu'ara, Al-Ankabut. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate tout entière, sourate Nuh alayhi salam. Et dans celle-ci, y est citée son histoire alayhi salam. Dans sourate Hud, verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: wa laqad arsalna Nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azaba yawmin alim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: nous avions déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis chargé solennellement, dit-il, de vous avertir afin que vous n'adoriez que Dieu, que Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. واختلف العلماء في مقدار سنته يوم بعث. قيل كان ابن 50 سنة. وقيل 350 وقيل غير ذلك. Les savants divergeaient sur l'âge de Nuh alayhi salam lorsqu'Allah azza wa jalla l'a envoyé en tant que messager à son peuple. Certains ont dit qu'il avait 50 ans, d'autres ont dit 350 ans et d'autres ont cité d'autres paroles, 380. Il y a eu beaucoup de paroles sur cela. Wa bi'athatuhu hasalat بعد حدث عظيم بعد أمر كبير وهو حدوث الشرك في أرض الله سبحانه وتعالى.
l'envoi de Nuh alayhi salam a une cause. C'est l'apparition du polythéisme sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا لأن بين آدم ونوح عليه السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام كما ثبت ذلك من قول ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه نودي il y a eu entre Adam عليه السلام et Nuh 10 siècles ou bien 10 générations qui étaient tous sur l'islam. Donc de Adam عليه السلام jusqu'au peuple de Nuh, ils étaient tous sur l'islam. Ils adoraient tous Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Personne n'avait voué une adoration à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Il y avait parmi eux des savants, parmi eux des gens pieux, et parmi eux des gens qui avaient des péchés. Si ce n'est qu'ils adoraient tous Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullu bani Adam khatta » وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُ Tout fils d'Adam est pécheur, est sujet à l'erreur. Et le meilleur de ceux qui se trompent, le meilleur de celui qui, de ceux qui tombent dans la faute, est celui qui se repent. Mais dans ce peuple, ou bien durant ces générations, ces 10 siècles, il n'y a pas eu de polythéisme. Il n'y a pas eu de polythéisme. Et la même année, est décédé 5 personnes du peuple auquel a été envoyé Nuh, qui se nomment Wad, Suwa', Yaruth, Ya'uq et Nasr. Ces 5 personnes ont été citées dans Sourate Nuh, dans la Sourate Nuh alayhi salam. Yaqul ibn Abbas radiallahu anhu fi qawlihi ta'ala وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ibn Abbas nous dit à propos de ce verset: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت رواه البخاري موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. Ibn Abbas nous dit concernant le verset dans sourate Nuh, et ils ont dit: ne délaissez pas vos divinités, et ne délaissez pas Wad, ni Suwa', ni Yaruth, Ya'uq et Nasr. Ibn Abbas nous explique ce verset en nous disant: Ce sont les noms de personnes pieuses du peuple de Nuh. Lorsqu'ils sont morts, Al-Shaytan a insufflé au peuple de Nuh de les représenter et de les mettre dans leurs assises et de les appeler par leur nom. Chose qu'ils ont faite. Mais ils n'ont pas été adorés. C'est-à-dire à cette époque, ils n'ont pas été adorés. Lorsque ces gens sont décédés, également cette génération, et que la science est partie, elles ont été adorantes en Allah subhanahu wa ta'ala, ces représentations. إذن ما هو سبب حدوث الشرك في أرض الله عز وجل الغلو في الصالحين والصور. Donc, on reprend la cause du shirk sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le peuple auquel a été envoyé Nuh, il y avait 5 personnes pieuses, dont vous avez entendu les noms. C'était des exemples pour ce peuple. Lorsqu'ils sont décédés, ce peuple a été touché d'une grande tristesse. Ils étaient perdus. Par la suite, Al-Shaytan est venu trouver ce peuple, sous l'apparence de quelqu'un de bon conseil. Et il leur a dit: ces gens qui sont morts, ces 5 personnes, représentez-les. Représentez-les sous forme de statues, par exemple. Et mettez-les dans vos assises, l'endroit où vous avez l'habitude de passer du temps. Et appelez-les par leur nom. Celui-ci sera Wad, celui-ci Yaruth, et ainsi de suite. Mais ils ne les ont pas adorés dans un premier temps.
Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour se rappeler d'eux, de leur piété, prendre exemple sur eux et se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils les ont pris comme exemple ou pour exemple pour redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne les ont pas adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Shaytan les a fait tomber dans cette première innovation qui est la représentation. Les images. Mais ils n'ont pas été adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Shaytan a vu loin. Il les a fait tomber petit à petit dans la désobéissance, dans l'innovation. Mais son but était plus grave que cela, était pire que cela. Lorsque cette génération est décédée, eux n'avaient pas adoré ces statues, car ils savaient pourquoi est-ce qu'ils les avaient représentées. Mais lorsqu'ils sont décédés, Al-Shaytan est revenu voir leur descendance et leur a dit, vos parents les invoquaient en dehors d'Allah. Il leur demandait la pluie, il les prenait comme intermédiaires et leur a insufflé toutes sortes de mauvaises choses. À ce moment-là, lorsque la science a disparu et ceux qui les avaient représentés, qui avaient donc la science, sont décédés, la descendance de ces gens-là les ont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce fut la première fois où le polythéisme a eu lieu sur la terre d'Allah azza wa ta'ala. Jamais avant eux, on n'avait adoré en autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voici tarikh al-shirk. Voici l'histoire du shirk et de sa venue sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cela, tu vois que ton ennemi déclaré al-shaytan insuffle le mal aux serviteurs d'Allah azza wa ta'ala. Et il est prêt à te faire entrer dans 100 portes de bien s'il sait qu'après cela, il te fera tomber dans le mal. C'est pour cela qu'Allah azza wa ta'ala nous a interdit de suivre les pas du shaytan. En nous disant, Ya ayyuha alladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du shaytan. Et souvenez-vous de l'histoire de Adam avec Hawa alayhim assalam. Al-shaytan a insufflé à Adam et Hawa de manger de l'arbre qui leur avait été interdit. En prétextant qu'avec cela, ils allaient vivre éternellement fil Jannah. Donc, il ne leur a pas dit ouvertement désobéissez à Allah Azza wa Jalla. Non, mais il a enjolivé la désobéissance. Et c'est ainsi qu'il a réussi à faire tomber le peuple de Nuh, ou le peuple auquel a été envoyé Nuh, alayhi salam, dans le polythéisme. Et souvenez-vous de la promesse du shaytan lorsqu'il fut viré du ciel, et lorsqu'il fut exclu de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il a fait la promesse de tous nous égarer. De tous nous égarer, de tous nous faire tomber dans le mal, sauf les serviteurs d'Allah qui seront sincères. Et c'est ainsi que Shaytan alayhi na'natullah a fait tomber ces gens dans le polythéisme. Fa aslu shirk al-ghuluw fi salihin. Donc la base du polythéisme, c'est l'exagération à l'égard des gens pieux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde contre l'exagération sur les gens pieux et sur lui-même, en disant La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. N'exagérez pas dans mes éloges, comme l'ont fait les chrétiens avec Isa, le fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur. Alors dites serviteur et messager d'Allah. Voici le juste milieu sur lequel sont les musulmans. On dit des prophètes que ce sont des serviteurs d'Allah. Donc on ne les adore pas. Mais ce sont également des messagers. On ne les dément pas. On les aime, on les suit, on les défend. On les prend comme exemple. Et on ne les cite qu'en bien. Alayhim as-salatu was-salam. Et de cette histoire, on tire l'importance de la science. Car le polythéisme a eu lieu lorsque les savants de ce peuple sont décédés. Il y avait des péchés dans leur peuple, mais ils n'ont pas adoré autre qu'Allah Azza wa Jal. Et lorsque la génération de savants est décédée, et lorsque les meilleurs de leur peuple sont décédés, Al-Shaytan a réussi à les induire en erreur. Tu vois ici l'importance des savants dans la communauté. C'est pour cela qu'on donne la plus grande importance aux savants de l'islam. On ne les cite qu'en bien. Et celui qui parle sur les savants de l'islam est sur un mauvais chemin. On les aime, on les suit,
Mais on n'exagère pas. Mais on n'exagère pas. Et le seul qu'on suit dans tout, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De cela, on voit également la gravité de suivre les pas du shaytan et d'innover dans la religion d'Allah. Certaines personnes s'étonnent lorsqu'ils voient les gens de la sunna mettre en garde sans cesse contre l'innovation. Pourquoi cela? Regardez, c'est ce qui a amené al-shirku billahi al-azim fi ardillahi tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il disait souvent dans la khutbah de Jumu'ah, wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire le vendredi dans son discours, et sachez que toute nouveauté est innovation. Toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer. Il nous dit également, comme cela a été cité dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui ramène une nouveauté dans notre ordre, n'en faisant pas partie, c'est-à-dire dans notre religion, dans l'adoration, celui qui adore Allah d'une manière qui n'a pas été légiférée dans la religion d'Allah Azza wa Jalla, sur la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui essaye de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par une manière que ne nous a pas enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se verra refusé auprès d'Allah. Allah n'acceptera rien de toi si tu empruntes une voie sur laquelle n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les actions, celui qui essaye de se rapprocher d'Allah par une action que ne nous a pas enseignée notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre guide et exemple, son action sera rejetée. Son action sera rejetée. Car cette religion est complète et n'accepte aucun ajout. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah nous enseigne dans le Coran, nous annonce cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Accompli sur vous mon bienfait et agréé comme religion pour vous l'islam. Et l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, Ibn Anas, imam Dahil al-Hijra, nous dit, ce qui ne faisait pas partie de la religion à l'époque, n'en fera pas partie aujourd'hui. N'en fera pas partie aujourd'hui. Alors qu'il fait partie des pieux prédécesseurs, des premières générations. Que dire alors de ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, comme secte et comme innovation et comme chemin, dont Allah Azza wa Jalla n'a révélé aucune science. Donc on voit la gravité de l'innovation et que c'est une cause pour tomber dans le polythéisme. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud radiallahu anhu et bien d'autres disent, suivez et n'innovez pas. Ittabi'u wa la tabtabi'u faqad kufitu. Suivez et n'innovez pas. Ce que vous avez vous suffit. L'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est bel et bien suffisant. ومن ها هنا نفهم أهمية التوحيد وكيف الإسلام حمى جناب التوحيد. Et c'est pour cela qu'on comprend l'importance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par cela, pardon, nous comprenons l'importance de l'unicité d'Allah et tout ce qui a été entrepris pour préserver les limites de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. التوحيد حق الله على العبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. رواه البخاري. Le prophète صلى الله عليه وسلم était un jour en couple avec Mu'adh. Mu'adh était derrière lui sur un âne ou une monture. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit: Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il répondit, Allah et son messager sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, qu'il l'adore sans rien lui associer. Le droit des serviteurs sur Allah, qu'il ne châtiera pas un serviteur si celui-ci ne lui a rien associé. Donc c'est le droit suprême d'Allah sur ses serviteurs. C'est le droit le plus propre d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses créatures.
de cette histoire, on tire la gravité d'exagérer sur les gens pieux, car cela peut être une cause pour faire tomber les gens dans le polythéisme. Et regardez au jour d'aujourd'hui dans les pays, sur la terre d'Allah Azza wa Jal, même dans les pays musulmans, ils se dirigent vers les tombeaux, ils se dirigent vers les tombes des gens qui étaient auparavant pieux. Et lorsqu'ils ont un problème, ils ne lèvent pas leurs mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Maliki Yawmiddin, Al-Ahadu Samad, Al-Malikul Haqq, Al-Mubin, subhanahu wa ta'ala, Allamul Ghuyub, Al-Ghani, Al-Hamid, Al-Jawad, Al-Karim, Al-Hayy, Al-Qayyum, Alladhi la yamut, Alladhi biyadi al-amru kulluh, wa ilayhi yarji'u al-amru kulluh. Ils ne lèvent pas ses mains vers lui. Ils ne lèvent pas leurs mains vers le vivant qui ne meurt jamais, vers le riche, le propriétaire de toutes choses, celui qui possède tout le bien dans sa main, celui qui, s'il veut, te donne tout ce que tu souhaites et plus encore. Ils ne lèvent pas leurs mains vers lui. Lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils ont un malade, lorsqu'ils sont touchés d'un mal, ils se dirigent vers le cimetière. Ils se dirigent vers les morts. Et ils disent, oh Foulan, oh un tel, mon fils est malade, soigne-le. Oh un tel, demande à Allah de me soigner. Oh un tel, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَ. Ils ont donné des égaux à Allah Azza wa Jal, des associés. Ils ont pensé du mal d'Allah Azza wa Jal. Ils pensent qu'Allah ne leur fera pas miséricorde, si ce n'est après avoir invoqué et pris un intermédiaire entre eux et Allah Azza wa Jal. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Quelle mauvaise opinion ont-ils d'Allah Azza wa Jal. Allah أَمَرَنَا فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ أَنْ نَدْعُوَهُ وَوَعَدَ بِالْإِجَابَةِ فَقَالْ وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله عز وجل c'est le vivant qui ne meurt jamais, celui qui s'occupe de toutes nos affaires, celui qui aime voir son serviteur lever ses mains vers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, inna Allah hayyun sittir. Allah est pudique, il a honte de voir son serviteur lever ses mains vers lui et de les lui rendre vides. Quand tu lèves tes mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne te les rend jamais vite. Il te répond. Il t'a demandé de l'invoquer dans le Coran. C'est le riche, le généreux. Il nous dit dans son livre, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Dans un autre verset, lorsque mon serviteur me demande, je suis proche, je réponds à son appel lorsqu'il me demande. Est-ce que nous allons laisser Allah azza wa jalla et nous diriger vers les morts? Aussi pieux soit-il, cela est interdit. Le fait d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal, si celui-ci est mort, c'est du shirk akbar. C'est du polythéisme majeur. Si celui-ci est absent, c'est du polythéisme majeur. Et si tu lui demandes une chose qui n'est pas dans les cordes du fils d'Adam, où seul Allah Azza wa Jal est capable de te répondre, c'est également du polythéisme majeur. Tu as le droit de demander une chose à autre qu'Allah Azza wa Jal avec trois conditions. Premièrement, an yakuna hayyan. Thaniyan, an yakuna hadira. Thalithan, an yakuna qadira. Les savants ont dit que tu as le droit de demander une chose à autre qu'Allah Azza wa Jal sous trois conditions. La première, qu'il soit vivant. La deuxième, qu'il soit présent. La troisième, qu'il soit capable. C'est-à-dire que cela entre dans les corps du fils d'Adam en général. Si tu invoques un mort, c'est du polythéisme majeur, tu sors de l'islam. Si tu invoques quelqu'un qui est absent, comme les djinns, comme les anges, ou comme quelqu'un qui est loin de toi, qui ne t'entend pas, ou avec qui tu n'as pas de moyen de communication, alors tu seras également tombé dans le polythéisme majeur. Troisièmement, si tu invoques quelqu'un, tu demandes une chose à quelqu'un, et ça n'est pas dans sa capacité, c'est-à-dire que c'est une des propriétés d'Allah Azza wa Jal, comme te faire un mada, te donner des enfants, comme te faire traverser Sirat, Yom al-Qiyamah, le pont, comme te sauver du feu de l'enfer, te mettre au paradis. Seul Allah Azza wa Jal est capable de t'accorder cela. Si tu demandes une chose de la sorte, à autre qu'Allah Azza wa Jal, tu seras tombé, wal'iyadu billah, dans le polythéisme majeur. Et c'est pour cela que l'islam a interdit tout ce qui peut troubler le fils d'Adam au cimetière. Et la plupart des innovations ont lieu au cimetière. Tu n'as pas le droit d'élever la tombe. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit à un de ses compagnons, ne vais-je pas t'envoyer afin de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné? Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit à Ali ibn Abi Talib, la tada'anna qabran mushrifan illa sawwaita wa la suratan illa tamassa. Ne laisse pas une tombe surélevée sans la rabaisser.
lorsqu'on creuse une tombe, ensuite on met le sable, la terre, on l'élève d'un empan. Pas plus. Pas plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a également dit, ne laisse pas une photo, une image sans la déchirer, sans l'effacer. Pourquoi? Parce que tout cela sont des causes qui emmènent au polythéisme. Nous n'avons pas le droit d'élever la tombe. Toutes les tombes qui sont élevées dans les pays, cela est une désobéissance envers Allah Azza wa Jalla. Que dire alors de ceux qui ont fait des qubbah? Subhanallah. Hada min akbar al-kaba'ir. Le fait de construire des édifices sur les tombeaux, de faire des coupoles, de mettre des photos, d'élever les tombes, tout cela a poussé les serviteurs d'Allah à tomber dans le polythéisme. On n'a pas le droit d'attacher nos cœurs à autre qu'Allah Azza wa Jalla. Comment alors attacher nos cœurs à des morts qui n'ont même plus le pouvoir de faire du bien pour eux-mêmes, subhanallah. Ils ne peuvent plus rien pour eux-mêmes. In tad'uhum la yasma'u du'a'ak. La yasma'una du'a'akum. Allah dit dans le Coran, si vous les invoquez, ils n'entendent même pas vos invocations. Wa law sami'u ma istajabu lakum. Et s'ils avaient entendu, ils n'auraient pas pu vous répondre. Wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Et le jour dernier, ils vont mécroire en votre polythéisme. Subhanallah. Regarde dans les pays musulmans. Regarde dans les pays musulmans. Ils vont au cimetière. Ils invoquent en dehors d'Allah Azza wa Jalla les morts. Dans certains pays, ils disent Ya Hussein, dans d'autres, il y a le Badawi. Ya Aïd Alous. En Égypte, au Sénégal, au Maroc, et dans d'autres et d'autres et d'autres pays qui sont à la base musulmans. Wallahu musta'an. Al-Shaytan fatanahum. Al-Shaytan les a troublés. Il les a dirigés vers autre qu'Allah Azza wa Jalla. Car il sait que celui qui se dirige vers un autre qu'Allah est voué à la perdition. Est voué à la perte. Sauf s'il se repent et revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été cité dans le hadith de Aïcha, lorsque Umm Salama est revenue de Al-Hijra, la petite Hijra Al-Habasha. Car Umm Salama, son mari est décédé, Abu Salama radiallahu anhu. Elle est donc partie à Al-Habasha lorsque Kuffar Quraysh ont beaucoup nuit aux musulmans. Elle était là-bas avec Umm Habiba, une autre épouse encore du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mada, lorsqu'ils sont revenus, Umm Salama a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'elle a vu à Al-Habasha, qui était une terre chrétienne à la base. Qui est une terre chrétienne, naam. Elle a vu des représentations dans les églises. Et vous savez tous, les chrétiens, ce qu'ils font dans leurs églises. Ils représentent des saints et des prophètes et Maryam alayhi salam et d'autres. Elle a donc cité cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous ce que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a expliqué la cause de cela en lui disant Oulaiki idha mata fihi ar-rajul salih أو العبد الصالح بنوا على قبره بنوا على قبره صورا فيه. Ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit na'am. Ces gens-là, lorsque parmi eux décèdent les gens pieux, ils les représentent. Ils les représentent et construisent des édifices sur leur tombe. Et mettre leurs images, leurs représentations. Oulaiki shirar al-khalq indallahi yawm al-qiyam. Voici les pires créatures auprès d'Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert la porte du polythéisme. Ils ont grand ouvert la porte du polythéisme. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui ont construit des édifices sur les tombes de leurs prophètes et les ont pris en adorant en divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal, comme cela est cité dans le recueil d'Imam Bukhari et d'Imam Muslim. Donc le shirk est né combien de temps après l'envoi de Adam alayhi salam ou bien après la prophétie de Adam alayhi salam? 10 siècles. Voyez, 10 siècles après. Et la cause de cela a été l'exagération à l'égard des gens pieux. Donc tout ce que vous voyez se diriger vers les cimetières, vers les tombeaux et les adorateurs d'Allah Azza wa Jal, sachez qu'ils sont égaux et que leurs ancêtres sont les polythéistes du peuple auquel a été envoyé Nuh alayhi salam.
et tous ceux qui sont sur le tawhid et sur la ilaha illallah, leur ancêtre c'est Nuh alayhi salam. Ils sont sur la voie de Nuh alayhi salam, le premier messager aux gens de la terre. Ces gens-là disent, vous Ahl Sunnah, vous n'aimez pas les gens pieux et vous ne respectez pas les saints. Parce que chez eux, ihtiramu salihin wa hubbu salihin yatamathalu bil ishrak billahi azza wa jalla wa al'iyad billah. Chez eux, كأمثال غلاة الصوفية الضلال المشركين وغيرهم من الرافضة قبحهم الله. Ces gens-là, comme les, ceux qui ont les soufis, une partie des soufis, الرافضة, ceux qui insultent les compagnons, قبحهم الله, الشيعة et d'autres, ces gens-là disent que celui qui n'adore pas les gens pieux, écoutez bien, celui qui n'adore pas les gens pieux, il n'aime pas les saints. Il n'aime pas les prophètes. Nous, on adore les prophètes parce qu'on les aime. C'est ainsi qu'ils s'expriment. Ils disent que nous, on n'aime pas les prophètes. Ils disent que nous, nous ne respectons pas les prophètes. Pourquoi les frères? Parce qu'on n'adore que Allah Azza wa Jalla Ahadu Samad. Parce qu'on n'adore que Allah, celui qui a envoyé les prophètes pour qu'ils soient adorés uniquement. Parce qu'on refuse de poser notre front pour un autre qu'Allah Azza wa Jalla. Parce que nous refusons d'égorger une bête pour un autre qu'Allah Azza wa Jalla au nom d'un autre que lui. Parce que nous refusons d'avoir peur d'un autre qu'Allah Azza wa Jalla. C'est pour cela qu'il nous taxe. Qu'il nous taxe d'injustes. Il nous taxe de gens qui manquent de respect aux messagers et aux prophètes. Ça, c'est leur voix. Maintenant, je vais vous raconter quelques histoires qui vous montrent comment les compagnons, eux, ont compris حب الصالحين وحب الأنبياء واحترامهم. Comment est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs, la meilleure époque, ceux qui ont le mieux compris l'islam, comment eux ont-ils aimé et respecté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a patienté et enduré dans cette lourde épreuve. Les compagnons étaient en larmes. Certains n'ont pas cru en l'information, c'est-à-dire la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres, à l'image de Omar radiallahu anhu, ont dit « il n'est pas mort ». Il est parti comme Moussa alayhi salam est parti recevoir la révélation de son Seigneur. Il va revenir. Celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, je le taperai de mon épée. Abu Bakr radiallahu anhu est parti vérifier l'information. Lorsqu'il a été sûr de cette information, de cette triste nouvelle, il est revenu à la mosquée, a calmé les musulmans, a ordonné à Omar de se taire, et monté sur le minbar, et a dit « Ayyuhan nas » Yani « Hamidallah wa thna alayhi » Thumma qal « Ayyuhan nas » من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. Ô vous les gens, que celui qui adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache que Mohammed est bel et bien mort. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Mais quant à ceux qui adoraient Allah, sachez qu'Allah, lui, c'est le vivant qui ne meurt jamais. Puis il a resté des versets qui montrent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un homme et une créature. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Mohammed n'est qu'un messager. طيب. Est-ce que Abu Bakr a adoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Pourtant, c'était celui qui l'aimait le plus. Il a dit que ça n'est qu'un homme. Il est mort comme les messagers avant lui. Mais celui qui mérite l'adoration, c'est Allah le vivant qui ne meurt jamais. Istadalla afwan. Bismillah al-hayy. Wa bisifatihi al-baqa alladhi la yamut. بأنه هو الواحد الواحد الذي يستحق العبادة. أبو بكر علامة الأمة a utilisé le nom d'Allah Azza wa Jal, le vivant, et son attribut, celui qui ne meurt pas, pour dire aux gens que c'est le seul qui mérite l'adoration. أين أنتم من أبو بكر الصديق العالم الصديق الأكبر. Où sont ces polythéistes, ces soufis, ces rafidhi, ces shi'i de Abu Bakr, le plus savant de la communauté, celui qui a le plus aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Une autre histoire, Khubayb, radiallahu anhu, il a été fait prisonnier par Kuffar Quraysh. Ils l'ont enchaîné et traîné sur une longue distance. Enchaîné, traîné, torturé. Lorsqu'ils sont arrivés à destination, il leur a demandé une chose. Laissez-moi prier 2 unités de prière avant de m'assassiner. Ils l'ont laissé. Il a prié avec le plus grand recueillement. Ils ont dit, nous n'avons jamais vu une personne prier avec autant de quiétude. Ensuite, il a fini sa prière et leur a dit, Wallahi, si je n'avais pas peur que vous pensiez de moi que j'ai peur de la mort, j'aurais prié une prière encore plus longue. Regardez la fermeté de cet homme et comment la foi a pénétré son cœur. Ensuite, ils l'ont torturé encore. Et ils lui ont dit, il y avait parmi Abu Sofyan radiallahu anhu avant qu'il se convertisse à l'islam. Ils lui ont dit, oh Khubayb, aimerais-tu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit à ta place et que toi tu sois tranquille dans ta famille auprès des tiens. Écoutez la réponse de celui qui a aimé d'un amour légiféré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu, Wallahi, je jure par Allah que je n'aimerais pas que Mohammed soit à ma place. Tayyib, pardon. Il a juré en disant, Wallah, je n'aimerais pas être tranquillement auprès des miens, avec mon épouse et mes enfants, si je savais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait être piqué par une seule épine, alors qu'il est tranquille auprès des siens. Vous avez entendu cette histoire? Tranquille chez lui, je ne voudrais pas qu'il soit touché par une épine. Une épine qui fait mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'accepterai pas cela. Je préfère mourir plutôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit piqué par une petite épine. Ça, c'est l'amour de Khubayb pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où sont ces polythéistes de l'amour des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont tout donné, leur argent. Ils ont tout sacrifié pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'avoir l'agrément d'Allah azza wa jal. Mais ils ne l'ont jamais adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment se manifeste l'amour donc des gens pieux, des prophètes alayhi as-salatu wassalam? Cela se manifeste en les prenant pour exemple, en les suivant dans l'adoration d'Allah d'un culte sincère, et en suivant la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir sur cela, écoutez le verset d'Allah azza wa jalla dans sourate Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah nous dit en Coran, dit, c'est-à-dire dis au messager d'Allah à ton peuple, à ceux qui prétendent m'aimer, dis-leur, si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc quel est le signe de l'amour des gens pieux du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le suivi. Quel est le signe de l'amour d'Allah Azza wa Jal des gens de Mada des serviteurs? Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve que tu aimes Allah. Par contre, celui qui adore autre qu'Allah, c'est la plus grande preuve qu'il n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui innove dans la religion d'Allah, c'est la plus grande preuve qu'il n'aime pas Allah Azza wa Jal. Wa hal umma. Donc, nous aimons les gens pieux. Nous aimons les prophètes, alayhi as-salatu wassalam, mais on ne les adore pas en dehors d'Allah azza wa jalla. Car ce sont ces gens-là même qui nous ont interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, nous a appelés à adorer Allah azza wa jalla d'un culte sincère sans jamais rien lui associer. Depuis qu'il a été fait prophète par la révélation, jusqu'à son dernier souffle. Est-ce qu'après cela, on va trahir notre prophète, délaisser sa voix et aller adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, alors qu'il a mis sa vie au service de la ilaha illallah, au service du tawhid? Cela serait la pire trahison commise à l'égard de notre prophète et messager, notre bien-aimé, notre guide, Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, sallallahu alayhi wa sallam. De cette histoire, on tire également, chers frères,
خطورة التصوير وتحريمها. De cette histoire, on tire l'interdiction des photos et des représentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit, nous a interdit toutes les représentations de choses ayant l'âme, les gens et les animaux. Ce qu'on appelle zawatul arwah. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple, أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les gens qui auront le plus lourd châtiment le jour de la résurrection sont ceux qui font les représentations. Ceux qui font les représentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, ceux qui ont fait les images, les représentations, on leur dira le jour de la résurrection, faites vivre, donnez, insufflez l'âme à ceux que vous avez créés. Donnez l'âme à ceux que vous avez représentés. Vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous n'arriverez pas à leur insuffler l'âme. Est-ce qu'ils pourront leur donner l'âme? Non. Ça sera un châtiment. Ça sera pour eux le châtiment. Dans l'autre hadith, qui est-ce qui essaye de ressembler à moi? Qui est-ce qui essaye de faire ce que je fais? C'est-à-dire celui qui fait une représentation, il essaye de copier la création d'Allah Azza wa Jal. La création d'Allah Azza wa Jal. Pardon. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des représentations, des images, des photos, ou bien un chien. Ou bien un chien. Tout cela nous montre quoi, chers frères? L'interdiction des représentations. L'interdiction des photos. Pourquoi? On a compris avec l'histoire de Noé. Car c'est la cause du shirk. Donc celui qui a des photos et qui veut le bien pour lui, se soumettre à Allah, se rapprocher d'Allah, de son créateur, suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentre chez lui, il déchire toute cette représentation. Il enlève les images des murs et les photos. Car il y a dans cela le mal. Les anges, tu les empêches de rentrer chez toi. Et si les anges ne rentrent pas chez toi, c'est qui rentrera chez toi? Hein? Ash-shayatin, ce sont les démons, les diables. Ce sont les démons et les diables. Car les anges ne rentrent pas dans l'endroit où on désobéit Allah Azza wa Jal. Ce sont les démons qui y rentrent. Donc si tu veux avoir comme compagnie les anges d'Allah Azza wa Jal, il te faut purifier cette maison. Il te faut purifier cette maison. Donc tu ne prends comme photo que Mada, ce dans quoi il y a une grande nécessité. Yani tu n'as pas le choix. Comme les photos pour les photos d'identité, comme pour effectuer l'Umra al-Hajj, et ainsi de suite. Illa li darura, yani. Donc soyez clairvoyants dans le polythéisme et le tawhid, afin de ne pas être induit en erreur par les égarés qui vous amènent vers les tombeaux, vers les saints, et vous disent: tu ne peux pas demander à Allah Azza wa Jalla directement, tu es trop sale, tu as trop de péchés. Prends comme intermédiaire, c'est mort. Prends comme intermédiaire un tel, il était pieux. Et ainsi de suite. C'est exactement le même shirk que Kufar Quraysh. Afaraytum Lata wal Uzza wa manata thalithat al ukhra. Comme Allah dit dans le Coran. Il nous parle de Al-Lat. Al-Lat, c'était une personne pieuse qui est décédée. Al-Lata, une personne pieuse qui est décédée. Ils l'ont enterré et ont construit sur sa tombe et ont mis une pierre qu'ils ont adorée en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Voyez. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Allah nous parle de ces gens-là dans le Coran en nous disant: et ils invoquent en dehors d'Allah, ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur être profitable. Et disent: voici nos intercesseurs auprès d'Allah. Écoutez la réponse d'Allah Azza wa Jalla. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Allez-vous informer Allah de ce qu'il ignore ou bien ce qui ne peut pas avoir lieu dans les cieux ni sur la terre? Purifié soit-il de ce qu'il lui donne comme associé. Allah Azza wa Jalla a appelé le fait de prendre des intermédiaires entre lui, de lui donner des intermédiaires dans l'adoration, de prendre entre nous et lui des intermédiaires dans l'adoration,
Il a appelé cela shirk, polythéisme. Donc tu n'as pas besoin d'intermédiaire, tu demandes à Allah Azza wa Jal directement. Regarde l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadk, ihfadillah tajidhu tujak. Ida sa'alta fas'alillah, wa ida sta'anta fasta'in billah. Oh jeune homme, je vais t'apprendre quelque part. Préserve les limites d'Allah, il te préserve. Lorsque tu demandes une chose, demande-la à Allah. Et lorsque tu as besoin d'aide, recherche-la auprès d'Allah. C'est ainsi que le musulman se comporte. Et tu vois ces polythéistes encore plus humiliés devant les tombeaux qu'ils ne le sont dans la prière. Wallah. Tu les vois humiliés, rabaissés, pliés devant ces tombeaux, devant ces morts, d'une humiliation qu'ils n'ont jamais trouvée devant Allah, le Seigneur des mondes. Subhan, c'est la pire injustice. C'est la pire injustice. Al-dhul wal-khudu' al-ibad al-du'a al-khawf al-raja al-tawakkul al-sujud la yajuzu illa lillah li'anna Allah al-khaliq wahda al-muhyi al-mumit wahda الملك وحده المالك وحده المدبر وحده سبحانه وتعالى. Pourquoi nous ne nous dirigeons vers personne en dehors d'Allah? Car c'est notre créateur unique, notre seigneur l'unique, notre propriétaire l'unique, celui qui nous donne la vie et la mort l'unique. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحان الله عما يشركون. Ceci étant dit, chers frères, الشرك بالله عز وجل أظلم الظلم وأكبر الكبائر. Après avoir compris cela, sachez, chers frères, que le polythéisme, الشرك, c'est le pire péché, la pire injustice. Ceci étant, ou bien إذا كان الأمر كذلك لابد من التفقه فيه لابد من معرفته كي نجتنبه. Si telle est la situation, nous avons l'obligation d'étudier ce qu'est al-shirk billah pour pouvoir s'en éloigner et s'en préserver. Nous avons l'obligation d'étudier et de connaître al-shirk afin de ne pas tomber dans le polythéisme. Al-shirk billah. Al-shirk dans la langue arabe signifie l'association. Al-musharaka bayna شيئين في أمر. الشرك c'est une association entre deux choses. Par exemple, deux associés dans le commerce. Un investit 50% et un deuxième 50% et ils s'associent pour ouvrir un commerce. Cela est du shirk dans la langue arabe. المشاركة بين أمرين بين رجلين. D'accord. ومنه قول الله في سورة طه وأشركه في أمري. Lorsque Moussa عليه السلام a demandé à Allah Azza wa Jal de lui donner en tant qu'aide son frère Haroun comme prophète également, comme messager également, en lui disant et associe-le dans ma mission. On a utilisé le mot shirk. Donne-lui une part de la révélation afin qu'il soit également messager, qu'on s'entraide dans cette grande mission. Appeler les gens au tawhid, les mettre en garde contre al-shirk. Cela se nomme dans la langue arabe al-shirk. En ce qui concerne al-shirk dans l'islam, c'est taswiyatu ghayrillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Al-shirk billah, c'est le fait de donner un égal à Allah, de prendre autre qu'Allah et de l'élever au même niveau qu'Allah dans une chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la définition du polythéisme. Le fait d'élever une créature au même niveau qu'Allah azza wa jalla en lui donnant un droit qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala.
Voici la définition du polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ». Il définit le polythéisme et nous dit « C'est le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. » وَعَلَمْ أَخَ الْإِسْلَامِ أَنَّ الشِّرْكَ بِاللَّهِ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ. Sache que le polythéisme se divise en trois. Il y a trois formes de polythéisme. Il peut avoir lieu dans trois domaines. Ce sont les domaines qui sont propres à Allah Azza wa Jalla. الشِّرْكُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ الشِّرْكُ فِي الْأُلُوهِيَّةِ وَالشِّرْكُ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Le shirk peut avoir lieu dans les trois formes de tawhid. Al-Rububiyyah, Al-Uluhiyyah et Al-Asma ou Al-Sifat. La divinité, c'est-à-dire l'adoration, la seigneurie et les noms et les attributs. Je m'explique. Celui qui donne un égal à Allah Azza wa Jal en affirmant que autre qu'Allah peut créer ou a créé, ou bien qu'Allah a un associé dans la création, aura commis du polythéisme dans la seigneurie. Celui qui affirme avec Allah d'autres créateurs aura associé Allah Azza wa Jal. Celui qui dit qu'Allah n'est pas celui qui possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre et entre les deux, mais que telle personne possède aussi en dehors d'Allah Azza wa Jal ou avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est du polythéisme. Allah appartient à la royauté de tout ce qu'il y a dans les cieux. Celui qui affirme qu'autre qu'Allah Azza wa Jal décide de ce qui se passe dans les cieux ou la terre pour associer Allah Azza wa Jal, il lui aura donné un égal dans le fait qu'il soit le seul à administrer, le seul gérant. Donc, Allah Azza wa Jal est le seul à gérer et à éduquer ses serviteurs. C'est le seul à avoir tout créé, c'est le seul propriétaire et le seul gérant. C'est le seul à vous donner la vie et à la reprendre. Celui qui dit qu'Allah a un égal dans cela, ou que quelqu'un peut faire en dehors d'Allah Azza wa Jal cela, aura donné un égal à Allah dans la seigneurie, c'est shirk fi rububiyyah. Allah est unique à faire ce qu'il fait pour ses créatures. Tayyib. Deuxièmement, الشرك في الألوهية صرف العبادة لغير الله. الشرك dans la divinité, c'est le fait de donner une adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Celui qui prend une adoration et l'avoue à un autre qu'Allah Azza wa Jal aura commis un acte de polythéisme dans la divinité, dans l'adoration. Et c'est ce qui a eu lieu dans les peuples. الشرك في الربوبية c'est rare, mais ce shirk là est répandu. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. Allah dit dans le Coran, et il ne croit en lui, c'est-à-dire en Allah dans la seigneurie, qu'en lui donnant des associés, c'est-à-dire dans la divinité. Naam. Celui qui égorge pour un autre qu'Allah, celui qui prie un autre qu'Allah, celui qui se prosterne pour un autre qu'Allah, celui qui craint un autre qu'Allah comme il a peur d'Allah, celui qui aime autre qu'Allah comme il aime Allah, celui qui voue une adoration à un autre qu'Allah, celui qui lève les mains vers un autre qu'Allah, aura commis un acte de polythéisme dans l'adoration. Il sort donc de l'islam par ce. C'est du polythéisme majeur dans l'adoration. La troisième forme de polythéisme, le fait de donner un égal à Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. Comme le fait d'appeler autre qu'Allah Azza wa Jal par ses noms qui lui sont propres et les adorer en dehors d'Allah. Ou prendre des noms d'Allah et les dire et faire des dérivés. Comme Kuffar Quraysh ont pris Allah et ont fait Lat, et ont pris Al-Aziz, ont fait Al-Uzza. Puis ils les ont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. Le fait de renier les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal et de le rabaisser au niveau des créatures, c'est du shirk. Shirk ou ta'atil. Le fait de donner des propriétés d'Allah Azza wa Jal à ses serviteurs en les élevant au même niveau qu'Allah, shirk ou tamthil. الشرك في الأسماء والصفات هي دو سورت. شرك التمثيل سي لانثروبومورفيسم.
Shirku ta'til, c'est le fait de renier les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc soit ils élèvent les créatures au même niveau qu'Allah, soit ils font ressembler Allah en le rabaissant au niveau de ses serviteurs. Tout cela rentre dans le polythéisme, dans les noms et les attributs. Ensuite, dans le jugement du polythéisme, il se divise en deux. Il se divise en deux. Ashirkul akbar et ashirkul asghar. Ashirkul akbar et ashirkul asghar. Ne pensez pas que nous allons raconter l'histoire comme on raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Non. On raconte l'histoire des prophètes et on prend les règles, les leçons. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit en Coran, Ibratul li ulil albab. Il y a dans cela des leçons pour les gens doués d'intelligence. Nous devons prendre les jugements. Nous devons prendre et tirer les leçons. Afin de tirer pleinement les leçons et profit des histoires des prophètes. Donc, le shirk, طيب ماذا ينقسم الى قسمين الاكبر والاصغر الشرك الاكبر هو كل شرك اطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الانسان عن دينه هذه التعاريف احفظوها ces définitions apprenez-les par cœur. La définition du shirk: تسويات غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك se divise en trois: الشرك في الربوبية, الشرك في الألوهية, الشرك في الأسماء والصفات. Et apprenez-le chacun. Ensuite, apprenez ماذا les deux parties du shirk dans la gravité et le jugement. الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر كل شرك أطلقه الشارع وَكَانَ مُتَضَمِّنًا لِخُرُوجِ الْإِنسَانِ عَنْ دِينِ. Et vu que la plupart d'entre vous n'avez pas ni feuille ni stylo, j'espère que vous avez une très bonne mémoire pour retenir tout cela. Dans le cas contraire, il vous faut venir avec des cahiers et des stylos, comme cela convient au comportement de l'étudiant et celui qui veut retenir la science, la comprendre, la maîtriser, l'appliquer, puis en faire profiter autrui après lui. Donc le polythéisme majeur a pour comme définition tout polythéisme qui a été cité par le législateur, c'est-à-dire dans les textes, tout polythéisme qui a été cité par le législateur et qui a pour effet de faire sortir la personne de la religion. Tout polythéisme qui a été cité dans les textes et qui fait sortir le musulman de l'islam. Et la personne fait une action en donnant un associé à Allah Azza wa Jal, et que nous avons la preuve dans les textes que cela l'exclut de l'islam, c'est du polythéisme majeur, ash-shirkul akbar. Comme le fait de donner une adoration à un autre qu'Allah, comme le fait d'égorger une bête pour un autre qu'Allah, comme le fait de se prosterner pour un autre qu'Allah, comme le fait d'avoir peur d'un autre qu'Allah Azza wa Jal, comme on a peur d'Allah, comme le fait d'invoquer les morts, et ainsi de suite. Tout cela rentre dans le polythéisme majeur. Celui qui fait ça sort de l'islam. Deuxièmement, Ash-shirkul asghar, le petit polythéisme. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le petit polythéisme? Pas parce qu'il est petit. Il est grand, il est grave, c'est le pire péché. Mais on l'a appelé petit pour faire la distinction dans le jugement et dans les effets avec le grand. C'est important ça. On l'a appelé shirk asghar pour faire la différence entre le grand et l'autre. C'est tout. Et on citera certaines différences par la suite, incha'Allah ta'ala. طيب, الشرك الأصغر هو كل شرك أطلقه الشارع ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. الشرك الأصغر هو كل شرك أطلقه الشارع ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. طيب, le polythéisme majeur est tout polythéisme qui a été cité par le législateur n'engendrant pas l'exclusion de la personne de sa religion. Tout polythéisme qui a été cité par le législateur, c'est-à-dire dans les textes, mais qui n'engendre pas l'exclusion de la personne de l'islam.
Comme le fait de jurer par un autre qu'Allah à la base, comme le fait de porter un gris-gris en talisman, comme le fait de dire Masha'Allah wa shi'it, c'est ce qu'Allah a voulu ainsi que toi, en disant et. Voyez. Naam. Voyez. Après avoir compris cela, quelle est la différence entre Ash-Shirk al-Akbar et Ash-Shirk al-Asghar? Il y a plusieurs différences. Parmi celles-ci, Ash-Shirk al-Akbar, le grand polythéisme, fait sortir la personne de l'islam, contrairement au petit polythéisme. Deuxièmement, le grand polythéisme, si la personne tombe dedans, on annule toutes ses actions, sans exception. D'accord? Sauf s'il se repent et rentre dans l'islam à nouveau. Alors que le petit polythéisme annule l'action dans laquelle la personne a donné un associé à Allah Azza wa Jalla, pas toutes ses actions. D'accord? L'ostentation, par exemple, fait partie du polythéisme. Le fait d'embellir son action pour avoir l'éloge des gens. Hein? Cela est du petit polythéisme. Celui qui fait cela, Allah rejette sa prière. Mais il n'annule pas toutes ses actions passées. Non, juste cette prière. Mais c'est déjà grave. Parmi les effets, ou bien la différence entre le grand et le petit polythéisme, il y a le fait que le grand polythéisme interdit à la personne le paradis. Éternellement. Alors que le petit polythéisme, si la personne entre en enfer, elle en sortira pour entrer au paradis par la suite. Voyez? Le grand polythéisme interdit le paradis. Donc la personne entrera en enfer éternellement. Alors que le petit polythéisme, si la personne entre en enfer, elle en sortira pour finir au paradis. Le grand polythéisme, Allah Azza wa Jal ne le pardonne pas si ce n'est avec le repentir. Il y a le consensus des savants dans cela. Alors que le petit polythéisme, certains savants voient qu'il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il le pardonne. S'il veut, il te châtiera pour cela. Voyez. Celui qui tombe dans le grand polythéisme, voyez, ne pourra plus rester avec la musulmane s'il est marié avec elle. Et le musulman ne pourra pas hériter de lui. Alors que celui qui tombe dans le polythéisme, il reste avec son épouse, car c'est encore un musulman. Et s'il meurt, on prie sur lui, on le lave, on prie sur lui, on l'enterre dans le cimetière des musulmans. Alors que celui qui tombe dans le grand polythéisme, s'il meurt, on ne le lave pas. On l'enterre dans le cimetière des koufars. On ne prie pas sur lui, on ne le lave pas. Et ainsi de suite. Voyez ? Celui qui tombe dans le grand polythéisme, il annule la base de sa foi. Il sort complètement de la foi. Alors que celui qui tombe dans le petit polythéisme, il a annulé la perfection de la foi qui lui était obligatoire. Obligatoire. Pas la base de la foi par laquelle on sort de l'islam en la perdant. Voyez ? Voici certaines différences. Il y a d'autres différences que les savants ont citées. Voici ce qui me revient maintenant. Voyez. Après cela, voyons khuturatu shirk, la gravité du polythéisme. La gravité du polythéisme. Premièrement, وَأَعْظَمُ الذَّنْبُ الَّذِي عُسِيَ اللَّهُ بِهِ. Premièrement, c'est le pire péché par lequel Allah fut désolé. C'est le pire péché par lequel Allah Azza wa Jal fut désolé. Allah nous dit dans son livre, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا مُبِينًا أو إِثْمًا عَظِيمًا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ. نعم إِنَّهُمْ يَشْرِكُونَ فَقَدْ حَرَمَ. نعم وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et celui qui donne un associé à Allah a certes commis un péché énorme. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet certes un péché énorme. Et Allah nous dit également dans Surat Luqman, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Allah nous montre comment Luqman, cet homme pieux, a éduqué son fils, rahimahullah. Certes, يعني يا بني لا تشرك بالله. Ô mon fils, n'associe pas à Allah. إِنَّ الشِّرْكَ, certes le polythéisme est un péché énorme. Ou une injustice énorme. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ayyu dhanbi a'zam. Il demande au messager: quel est le pire péché? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Ils ont dit: Allah et son messager sont plus savants. Il a répondu: An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Le pire péché est le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Rawal Bukhari wa Muslim min hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Deuxièmement, akbar al kaba'ir. Ash-shirk akbar al kaba'ir. Ash-shirk est le plus grand des péchés. Dans le hadith d'Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ala unabbi'ukum bi akbar al kaba'ir. Ne vais-je pas vous informer des pires péchés? Des plus grands péchés. Qalu bala ya rasulallah. Ils ont dit: certes, au messager d'Allah. Qala sallallahu alayhi wa sallam: ash-shirku billah wa 'uquq al-walidayn ila akhir al-hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: le polythéisme, le fait de donner un associé à Allah, la désobéissance envers les parents, et ainsi de suite. Troisièmement, ash-shirku yuhbitu jami' al-a'mal. Le polythéisme annule l'ensemble des péchés. Annule l'ensemble des bonnes actions. Ça, c'est le shirk majeur, le shirk al-akbar. Et le shirk asrar annule l'action dans laquelle la personne est tombée. Taïr. Et on laisse le détail pour un autre cours. Taïr. Allah nous dit dans le Coran: Wala in ashrakta la yahbatan amaluka wa la takunanna min al-khasin. Wa qala fi ayatin ukhra: ماذا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran: et si tu nous donnes un associé, nous annulerons toutes tes actions et tu feras certes parmi des perdants. Tu feras certes partie des perdants. Dans Surat Az-Zumar, verset 65. Et dans Surat Al-An'am, verset 88, Allah azza wa jalla, après avoir cité 18 prophètes, en commençant par Ibrahim alayhi salam, puis 17 prophètes et messagers, Allah azza wa jal finit en disant: Walaw ashraku. Et si il nous avait donné des associés, la habita anhum ma kanu ya'malu. Vous entendez cela, chers frères? Après avoir cité les meilleurs des hommes, les prophètes et messagers, Allah finit, conclut et dit: et s'il nous avait donné des associés, avec commis du shirk, on aurait annulé tout ce qu'ils ont fait comme bonnes actions. On parle de qui là ici? Hein? Des prophètes et des messagers. Safwatu khalqillah. Safwatu khalqillah. Les meilleurs, l'élite de la création. Et pourtant, Allah Azza wa Jal, après avoir vanté leurs mérites et fait leurs éloges, dit: et s'ils avaient commis un shirk, nous aurions annulé toutes leurs bonnes actions. Ilman bi annahum ma'soumun bi shirk bi ijma' al-ulama. Sachant qu'ils sont infaillibles quant au fait de tomber dans le polythéisme, et cela sans divergence chez les savants de l'islam. Donc cela en vrai est Mada est fait pour attirer notre attention à nous et pour nous montrer la gravité du shirk et que c'est le pire péché. Troisièmement, un shirk la yaghfiruhu Allah illa bitawbah. Troisièmement, parmi les choses, qu'est-ce qu'on cite là, premièrement, deuxièmement, troisièmement? Hein? Pour voir si on arrête juste après ça ou si on continue un peu. Si la fin a eu raison de vous ou pas. Nous sommes en train de citer quoi ici? Les points qui montrent que le shirk est grave. Et nous sommes arrivés à quel point? Au troisième point. Nous sommes arrivés au troisième point. Taïb, aïna Adam? Où est Adam? Safar, il a voyagé, il marche en vacances. Sallallahu yahfadahu fi safari. Allah le préserve durant son voyage. Min ahsan talamidi. Parmi nos meilleurs élèves, Adam, qui a 9 ans, 10 ans, Sara Baliran, Adam, Yasum al-An, Hafidahullah, Wahibbu fillah kathiran, Adam, waffaqahullah.
Adam fait ses éloges en son absence, un de nos meilleurs élèves, un des plus assidus au cours, qui ne manque jamais un cours, qui note, qui apprend, et il a 9 ou 10 ans. Hafidahullah ta'ala. Wa huwa yuhafid ala salawat. Hein? Ma'al jama'a. Il préserve les prières en groupe à la mosquée. Alors que certains d'entre nous avons du mal à préserver ses prières à la mosquée. Voyez, waffaqahullah. As-salla yahfadahu. Wa yaja'alahu min ulama al-islam. Al-da'i min al-tawhidillah. Al-muhadiri. Min al-shirk wal-bida'. As-salla yahfadahu ala sunnah. On demande à Allah de le préserver sur la sunna et qu'il fasse de lui un prêcheur, un prédicateur au tawhid et quelqu'un qui met en garde contre le shirk, l'innovation et les innovateurs. Voyez, parmi les choses donc qui nous montrent la gravité du shirk, le fait qu'Allah ne le pardonne pas si ce n'est avec le repentir. Quelle est la preuve de cela? Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Et en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. D'accord? Donc, celui qui tombe dans le shirk, il faut qu'il se repente. Sinon, Allah ne le pardonne pas. En ce qui concerne le polythéisme majeur, il n'y a pas de divergence sur cela. En ce qui concerne le polythéisme mineur, les savants ont divergé. D'accord? Comment on unit entre ce verset et le verset où Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Az-Zumar, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis-oh vous mes serviteurs qui avez commis des excès contre eux ou à votre propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il pardonne tous les péchés. Et dans l'autre verset, Allah nous dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Les savants unis entre les deux versets en disant que dans Sourate Az-Zumar, lorsque nous disons que nous pardonnons tous les péchés, c'est-à-dire avec le repentir. Et dans l'autre verset, lorsque nous disons que nous ne pardonnons pas al-shirk, et qu'en dessous de cela, on pardonne à qui il veut, c'est à qui Allah veut, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en dessous du shirk. Si Allah veut, il te pardonne, si Allah veut, il te châtie. Ce qu'on appelle tahta al-mashi'a. Lorsque tu entends les savants dire Hada tahta al-mashi'at, Hada tahta mashi'at illah, sache que cela signifie les grands péchés en dessous du shirk. Les gens qui arriveront yom al-qiyama en tant que musulmans sur al-tawhid, s'ils ont des péchés desquels ils ne se sont pas repentis, ils seront tahta mashi'at illah, sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il les châtiera pour leurs péchés, puis les sortira de l'enfer et les mettra au paradis. Si Allah veut, il leur pardonnera cela et les mettra directement au paradis bi rahmatihi subhanahu wa ta'ala wa ihsani jalla wa ala wa huwa jawadun karim. Naam. Parmi les choses qui nous montrent la gravité du shirk, al mushrik la tanfa'uhu shafa'a yawm al qiyam. Le polythéisme, celui qui est tombé dans le shirk, Allah azza wa jalla ne lui rendra pas utile l'intercession. Ni il ne pourra la recevoir, ni il pourra intercéder pour autrui. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِينٍ dans sourate Al-Shu'ara. Donc, ماذا? Ils diront ça alors qu'ils seront dans le feu de l'enfer. Ils seront dans le feu de l'enfer. Nous n'avons pas d'intercesseur. Ils seront châtiés et diront, nous n'avons pas d'intercesseur. Intercesseur. Personne ne pourra intercéder pour nous chez Allah Azza. Dans l'autre verset, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِ. L'intercession de ceux qui pourront intercéder ne leur seront pas profitables. Pourquoi? Parce que celui qui meurt dans un shirk, l'intercession lui sera interdite. Pour recevoir l'intercession, il y a 3 conditions. Quelle est la première? Hein? Naam. Ithnullah, la permission d'Allah Azza wa Jalla. La deuxième. Naam. Qu'Allah soit satisfait. Al-Rida. Il soit satisfait de qui? De celui qui veut intercéder, celui qui veut recevoir l'intercession. D'accord? La troisième. La troisième règle sur ça. Allah Azza wa Jalla, illa anil muslimin al-muahidin. Allah n'est satisfait que des
monothéistes, de ceux qui sont morts sur l'islam. Donc la troisième condition, que la personne meure sur l'islam. Donc trois choses, il faut les retenir. Celui qui recevra l'intercession au Malqiyama et celui qui aura réuni trois choses. Premièrement, c'est quoi? Qu'Allah Azza wa Jal donne sa permission. Deuxièmement, qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de lui. Troisièmement, Allah Azza wa Jal n'est satisfait que des croyants musulmans. واضح ولا يرضى عن العباد الكفر الكفر نعم ولا يرضى عن عباد الكفر وان تشكروا يرضه لكم et il n'agrée pas de serviteurs la mécréance et si vous vous montrez reconnaissant il sera satisfait de vous. Al-Allama ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit la plus grande reconnaissance est tawhidullah, c'est l'islam. Donc ils ne pourront pas recevoir l'intercession. Cinquièmement, al-mushrik le paradis est interdit aux polythéistes. Il sera donc éternellement en enfer. Allah dit إِنَّهُ مَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلِي الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Allah nous dit dans le Coran, certes, celui qui associe Allah se verra interdire le paradis. Le paradis lui sera certes interdit. Et sa destination sera l'enfer. Il n'aura pas d'autre destination si ce n'est l'enfer. Comme a dit Cheikh Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Et pour les injustes, pas de secours. Sixièmement, Al-Shirk, Al-Mushrik, La yaqbalullahu min'u amala. Allah n'accepte aucune action du polythéiste. Hatta yada'a shirka. Jusqu'à ce qu'il délaisse son polythéisme et se repent et revient au tawhid. قال الله وللذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله dans le Coran dit à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent, c'est-à-dire le polythéisme et la mécréance, ils se verront pardonner ce qui est passé. Allah dit dans le Coran, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Allah nous parle des actions يوم القيامه des associateurs. Il nous dit, nous allons amener ce qu'ils ont fait. Voyez, c'est-à-dire leurs actions. Ils ont, par exemple, les liens de parenté. Ils ont fait des sadaqat. Ils ont fait tawaf. Ils ont pu faire le hajj, comme le faisait Kuffar Quraysh. Ils ont aidé le pauvre, l'orphelin, et ainsi de suite. Ils ont des bonnes actions. Hein? Ils font du bien, des fois, le mouchirikoum. Mais ils ont le shirk. Est-ce que cela leur sera profitable au yawm al-qiyamah? Écoutez la réponse d'Allah Azza wa Jalla. Nous allons amener ce qu'ils ont fait comme action. Et nous rendrons tout cela poussière et éparpillé. Poussière éparpillée. Imaginez un tas de poussière sur lequel un vent a soufflé. Est-ce qu'il va rester quelque chose? Ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Ils seront ressuscités directement finnar. Directement. Il n'y aura même pas pour eux la pesée. Nous n'allons même pas peser les actions. Il ne leur restera aucune bonne action. C'est juste pour voir qui sera au plus profond, c'est tout. Un mal à peser pour dire il lui restera une action, Ibn Taymiyyah a dit, il n'y aura pas cela. Ils n'auront aucune bonne action. Al-shirk mudammirun lil hasanat. Yuhriqu jami' al-khayr. Al-shirk brûle toutes les bonnes actions. Il ne laisse aucune bonne action. Yawm al-qiyam, il rendra tout cela poussière éparpillée. Et dans une autre sourate, dans sourate Ibrahim, Allah Azza wa Jalla a décrit leurs actions en disant مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. نعم. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. نعم. L'exemple de ceux qui ont mécru auront comme action, ou bien leurs actions seront à l'image de cendres sur lesquelles un vent a soufflé. Un vent a soufflé. Dans Surat Nour, une autre parabole qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Allah ne dit pas directement, ils n'auront pas de hasanat. Non, il nous donne en parabole pour que on retienne cela. Ce soit plus clair. Voyez, comme ça tu as cette image qui se dessine dans ta tête. Un tas de poussière sur lequel souffle un vent. Un tas de sens sur lequel souffle un vent. Et dans les sourates, nous, à l'image d'un mirage,
Quelqu'un qui est dans le désert, qui marche et qui voit au loin un mirage, il pense avoir vu un point d'eau. Alors qu'il est assoiffé, lorsqu'il arrive, il ne trouve rien. Il ne trouve rien. C'est l'image du mushrik. Yom al-Qiyam. Sur terre, il marche dans un désert. Il souffre. Et Yom al-Qiyam, lorsqu'il pense atteindre l'eau, il ne trouve que du sable. Il ne trouve que du sable et il perd. Et il va sur le nar. Pas dans la chaleur du désert de Fid-Dunya. Dans la chaleur d'un nar. Fid-Dunya, il était sous le soleil. Et Fil-Akhirah, il sera dans le feu de l'enfer. Wal-Iyadu Billah. Na'oudu billah min al-nar. Na'oudu billah min al-nar. Na'oudu billah min al-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme dans le hadith d'Abi Huraira, dans le hadith al-Qudusi, ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk. Qala Allah ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk. Man 'amila 'amalan ashraka ma'iya fi ghayri taraktuhu wa shirka. Allah nous dit dans un hadith at-Tamdhiba, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Parfaitement, complètement. Celui qui fait une action en m'associant dans son action, je le délaisserai lui et son associé. Ou bien lui et son action, son association. Donc Allah n'accepte pas l'action du mushrik. Septièmement, al-mushrik asa al-dhan bi rabbil alamin. Le polythéiste a une mauvaise opinion de son Seigneur, le Seigneur des mondes. A une mauvaise opinion de son créateur. A une mauvaise opinion de son pourvoyeur. A une mauvaise opinion de celui qui l'a comblé de ses bienfaits. Wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Regardez, écoutez la parole d'Allah Azza wa Jalla et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Et wallah. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Les bienfaits d'Allah sont indénombrables. Indénombrable. Allah t'a donné la vie alors que tu étais mort. Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé. Allah t'a donné la vie. Lui. Allah t'a donné tes membres. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisaanan wa shafatayn. Allah azza wa jalla t'a donné le plus grand bienfait, l'islam. Allah azza wa jalla t'a comblé par l'envoi des messagers, la révélation de lui. Et il ne t'a demandé qu'une chose. Qu'une chose. An i'budullah. Ma lakum min ila ghayr. La ilaha illa. C'est cela qu'on t'a demandé. Et regarde les polythéistes. Regarde les polythéistes. Écoutez ce hadith yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah, Allah Azza wa Jal va amener le polythéiste. Il va lui faire reconnaître ses bienfaits. Et il lui dira, si tu possédais tout ce qu'il y a comme richesse dans les cieux et la terre, est-ce qu'aujourd'hui, tu le donnerais pour acheter ta vie en enfer, pour sauver ta vie et te sauver du feu de l'enfer, pour éviter le feu de l'enfer? Est-ce que tu seras prêt à payer ce prix? Imaginez, quelqu'un qui possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Il arrive Yom al-Qiyamah. On lui dit si tu aurais possédé tout ça. Ça n'est pas le cas, mais on lui dit si tu avais possédé tout ça. Est-ce que tu serais prêt à le donner pour te sauver du feu de l'enfer? Il dira oui, ô mon Seigneur. Allah Azza wa Jal va lui répondre. Laqad aradtu ahwana minka. Subhanallah, min dhalik. Je t'avais demandé bien moins que cela. Que tu m'adores sans rien m'associer. Subhanallah. Subhanallah. Ya khasrat ala haula. Ils vont perdre, Allah. Zalika wa al-khusran al-mubin. Voici la plus grande perte, la perte évidente. Allah Azza wa Jal va lui dire, je t'avais demandé bien moins que cela. At-tawhid. La ilaha illallah. Je t'avais demandé de m'adorer sans rien m'associer. Fa'abait illa shirk. Et tu t'es entêté et tu as refusé si ce n'est que de me donner des associés. On va appeler les gens, les anges, ou bien il sera jeté dans le feu de l'enfer. Regardez la finalité du mushrik. C'est pour cela que celui qui quand vient pour expliquer le tawhid, Wallahi ma aradna illa al-khayr al-musulid, hubban lakum fillahi rahim. Al-Wadud,
Celui qui t'apprend le tawhid et qui te met en garde contre le shirk, huwa an-nasih. La uzakki nafsi. La uzakki nafsi, walakin hadha huwa alladhi jaa fil Qur'an. أن الأنبياء نصحاء أو ناصحوا دعا أقوامهم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك ونحاول أن نسير على أثرهم. Celui qui t'appelle au tawhid et qui te met en garde contre le shirk est celui qui a voulu tourner. C'est celui qui t'a vraiment conseillé. Et je ne parle pas de moi dans cela, mais de cela on a hérité des prophètes et des saints. Taïb. Celui qui associe Allah Azza wa Jal à penser du mal d'Allah, à une mauvaise opinion de son Seigneur. Il pense qu'Allah ne va pas lui donner ses sœurs après avoir pris les intermédiaires entre lui et Allah. C'est comme s'il accusait Allah d'être avare, d'être trop dur, de ne pas être miséricordieux, ni doux. Subhanallah. C'est pour cela que lorsqu'Ibrahim alayhi salam a parlé à son peuple, il leur a dit « A'ifkan alihatan dun Allahi turidu » فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Quelle mauvaise opinion avez-vous donc du Seigneur des mondes? Que veut dire ce verset? Que pensez-vous qu'Allah va faire de vous alors que vous lui avez donné des associés et vous avez adoré autre que lui, subhanahu wa ta'ala? Taïeb. Mais on comprend aussi de cela qu'ils ont pensé du mal d'Allah, c'est pour cela qu'ils lui ont donné des égaux. Donc la cause du shirk, sous-ouvan billahi azza. Haqiqatu shirk, comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, et on va s'arrêter dans une minute, tashbihu bil khalq, wa tashbihu al makhluq bih. C'est le fait de faire ressembler la créature au créateur et le créateur à la créature. D'accord? C'est ça la réalité du polythéisme. Voyez? Certains comme les chrétiens ont fait ressembler la créature au créateur en disant par exemple que Isa c'est Allah Azza wa Jal. Ils lui ont donc donné les propriétés de la divinité. D'autres, parmi les gens du livre, ont donner des propriétés de la créature au créateur, et c'est encore pire. Ils ont rabaissé Allah au niveau des créatures. C'est encore pire que d'élever la créature au même niveau que le créateur. Et les deux sont graves. Mais et les deux sont graves. Comme en disant par exemple, Yadullah marloul, la main d'Allah est fermée, pour dire qu'il est avare. Allah les a réfutés en disant, Bel Yada, il n'a pas une main, il en a deux. Elles sont largement étendues. Il est généreux, subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit aussi Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. A'oudhu billah. Ils ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Regardez le manque de comportement et de respect qu'ils ont à l'égard d'Allah, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Donc avec tout ça, il y a plus encore. Il y a plus encore. Voyez, on a compris inshallah ta'ala la gravité du shirk. Et on a compris le bienfait du tawhid, et que ton tawhid, tu dois le préserver. Tu dois le préserver et t'éloigner du polythéisme. Et prenez cela comme règle. Celui qui comprend le tawhid et qui aime Allah aura eu peur du shirk. Celui qui a compris l'importance du tawhid et sa gravité aura eu peur du shirk. Et celui qui n'a pas peur du shirk, il n'a pas compris le tawhid ni la gravité du shirk. Donc celui qui n'a pas peur du shirk doit étudier le tawhid et réétudier le shirk. Car le père des prophètes, celui qui a cassé les idoles avec sa main, celui qu'Allah a pris en khalil, ami intime, comme cela a été cité dans le Coran dans Sourate Ibrahim, Ibrahim alayhi salam a dit وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَ أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Subhanallah. Ibrahim alayhi salam a eu peur de tomber dans le shirk. Alors que c'est le père des prophètes, celui qui a cassé les idoles avec sa main. Et bien, iznillahi azza wa jal, on étudiera sa biographie, et c'est une des plus belles biographies. Wallahu a'lam, la dernière semaine du mois de Ramadan, insha'Allah ta'ala. Ibrahim alayhi salam a dit, en invoquant Allah et en le suppliant, il nous dit, éloigne-moi. Moi ainsi que mes enfants ou ma descendance
de l'adoration des idoles. Qui est-ce qui a peur du shirk ici? Qui est-ce qui invoque Allah et lui demande de l'éloigner lui et sa descendance ou ses enfants du polythéisme? Pas n'importe quel polythéisme. Le polythéisme clair, l'adoration des idoles. Est-ce que toi, je te pose la question, est-ce que toi tu as déjà eu peur d'adorer Bouddha par exemple? Une idole, une statue claire, est-ce que tu as déjà eu peur de cela? Je te dis, moi je suis un musulman, je ne peux pas tomber dans cela peut-être. Ben sache que c'est un défaut dans Tawhid. Tu dois avoir peur de cela. Si tu n'as pas peur du shirk, tu n'as pas compris Tawhid. Et après ce verset, on rapporte qu'Ibrahim al-Taymi, un des anciens, a dit « وَمَا يَعْمَنُ الْبَلَى بَعْدَ إِبْرَاهِمْ » Qui est-ce qui pourrait se sentir à l'abri après Ibrahim a.s. Et Shir al-Sulayman ibn Abdillah, celui qui, le petit-fils de Mohammed ibn Abdul Wahhab, celui qui a écrit Al-Taysir, un des meilleurs charhs de Kitab al-Tawhid. Taïb, et savons l'imaginer lequel est le meilleur, Taysir ou bien Fath al-Majid. Taïb, il n'a dit une parole semblable. Il a dit, en gros, si Ibrahim a.s. a eu peur de ce polythéisme, qui est-ce qui pourrait se sentir à l'abri après du petit polythéisme? Et d'autres parmi les savants ont dit, si Ibrahim a.s. a eu peur du grand polythéisme, ben nous devons avoir peur du petit polythéisme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur du petit polythéisme pour les meilleurs, les compagnons qui avaient la foi complète. Et nous, avec notre faible foi, nous devons avoir peur même du petit polythéisme. Hein? Dans le hadith de Mahmoud ibn Labid, عند Ahmed, أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, la chose dont je crains le plus pour vous, c'est le petit polythéisme. Lequel? Ar-riya, l'ostentation. L'ostentation. C'est la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait le plus. Taïb. Pour Mada, pour la communauté. Donc, nous devons avoir peur du petit polythéisme et du grand. Ibrahim alayhi wa sallam a eu peur du grand. Donc, celui qui a compris le tawhid a peur qu'on lui enlève le tawhid, parce que c'est le plus grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jal a comblé son serviteur. Méditons ce verset. Wajnubni, éloigne-moi. Il n'a pas dit permets-moi de ne pas faire de shirk. Non, éloigne-moi, mets-moi loin du shirk. Mets le shirk dans un endroit et moi à l'opposé. Premièrement. Donc il ne s'en sentait pas à l'abri au point où il a voulu être loin pour mettre une grande limite entre lui et le polythéisme. Deuxièmement. Wajnubni, wabaniya. Wabaniya, soit sa descendance, soit ses enfants. Et ses enfants, c'était des prophètes, subhanallah. Ismaïl, ensuite Ishaq, sont des prophètes. Ils ont été préservés du shirk. Taïb. Wabaniya anna abudal asnam. Préservez-nous de quoi? De l'adoration des idoles. Vous savez, c'est quoi l'asnam? C'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qui a été représenté, comme le Bouddha et les statues et ainsi de suite. Al-Asnam, c'est le pluriel de Sanam, c'est ce qui est adoré, qui a été représenté. Et il y a un autre mot qu'on appelle Al-Awthan, c'est le pluriel de Wathan, c'est ce qui est adoré, mais qui n'a pas été représenté, comme les tombeaux et ainsi de suite. Si c'est imagé, on appelle cela Sanam. Son pluriel, c'est Asnam, avec un Sad. Si ça n'est pas imagé, on appelle cela Awthan, son singulier, c'est Wathan. Ibrahim a.s. a cherché protection contre ce qui était apparent ou caché. À part, c'est-à-dire les choses qui sont claires, subhanallah. Donc s'il a eu peur d'adorer une chose qui est claire devant lui, c'est que vraiment celui qui tombe dans le polythéisme aura tout perdu. Nous devons donc chercher auprès d'Allah Azza wa Jal contre le shirk, le grand et le petit. Il y a le shirk jali et le shirk khafi. Le shirk apparent, c'est notre division du polythéisme. Le shirk apparent et le shirk caché. Le shirk apparent comme l'adoration des statues, le fait de se prosterner devant notre Allah. Le shirk caché comme l'ostentation. Il y a la grande ostentation, la ostentation des hypocrites. Ils cachent la mécréance dans leur cœur et montrent l'islam en apparence. Ça, c'est des koufars intérieurement. Ils iront au plus profond du feu de l'enfer, wal'iyadhu billah. Innal munafiqina fi d-darkil asfali minan nar. Ils restent avec les musulmans, ils font esprit d'être musulmans. Et ensuite, l'yawm al-qiyamah, Allah va les dévoiler et montrer les ténèbres que cachaient leur cœur et les faire entrer dans le feu de l'enfer. En dessous des koufars. En dessous de Fir'aoun. Vous imaginez? En dessous des pharaons, les hypocrites seront plus bas de l'enfer. Et il y a la petite ostentation. C'est la personne qui fait une adoration et embellit son adoration pour avoir l'éloge des gens. Il fait pour Allah à la base. Mais le shaitan là, égaré dans son action. Et voici pour ce verset. Donc, on doit avoir peur du shirk.
Et on ne dit pas comme les ignorants. Voyez, le shirk, on connaît. Le shirk, on connaît, c'est bon, on ne va pas tomber dans le shirk. À quel moment les gens sont tombés dans le shirk? Lorsqu'on a arrêté de parler du shirk et mettre en garde contre le shirk a apparu sur la terre. Donc tant qu'on met en garde sur le shirk, tant qu'on explique le shirk aux gens, bi'idhnillah, on est à la khair. Mais si les gens détournent les gens de les serviteurs d'Allah de l'étude de cela, alors on a ouvert la porte à tout le mal. Taïb, une grande faïda de cette histoire qu'on tient. Et une des preuves que le pire péché c'est le shirk, c'est qu'à quel moment, répondez-moi, à quel moment Allah a décidé d'envoyer un messager? Est-ce qu'il y a eu des péchés entre Adam et Nuh ou pas? Oui, d'accord. Après quel événement Allah Azza wa Jalla a décidé d'envoyer un messager aux gens de la terre? Après le shirk. Avant l'apparition du shirk sur la terre, Allah n'a pas envoyé de messager aux gens de la terre. Mais lorsque le shirk a eu lieu pour la première fois, immédiatement Allah, après Allah Azza wa Jalla a envoyé un messager. Retenez cela. C'est une faïda nafis. Le fait de retenir qu'Allah Azza wa Jalla a décidé d'envoyer le premier messager qu'après l'apparition du shirk sur la terre. C'est une des plus grandes preuves qui témoigne du fait que le polythéisme soit le pire péché par lequel Allah subhanahu wa ta'ala fut désobéi. Inch'Allah, demain, on reviendra à la qissa de Nuh. Voyez, après que le shirk ait lieu sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh qui est venu. Et la première chose qu'il a dit à son peuple, c'est quoi? Ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Ça c'est dans surat Al-A'raf et dans surat Hud. Alla ta'budu illallah. Donc la première chose avec laquelle viennent les messagers et les prophètes, c'est quoi? La ilaha illallah wa ila ghadan. إلى غد إن شاء الله تعالى وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بتتم الصالحات